Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Math. Let's Math numéro 8. 8 comme un terme de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est une suite dont les termes suivants sont déduits par la somme des deux termes précédents. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un problème sur la suite de Fibonacci. Allez, je vais laisser Virginie lire l'énoncé du problème. Le but de ce problème est d'étudier une catégorie de suite issue d'une situation rencontrée en biologie. Dans toute la suite, on note phi égale à 1 plus racine de 5 sur 2 et psi égale à 1 moins racine de 5 sur 2. Le nombre phi s'appelle le nombre d'or. Partie 1, un problème de biologie. Partant d'un couple de lapins, combien de couples de lapins obtiendrons-nous, après un nombre donné de mois sachant que chaque couple produit chaque mois un nouveau couple, lequel ne devient productif qu'au bout de 2 mois. On note F0 égale à un couple départ, F1 égale à un couple le mois suivant, ce couple ne sera productif qu'au mois suivant. Fn égale à nombre de couples de lapins obtenus au bout de n mois. Donnez une évolution du nombre de lapins au cours du temps sur un tableur. Trouvez une relation liant Fn plus 2, Fn plus 1 et Fn. Partie 2 étude de solution particulière. On cherche une suite définie par la relation R, Un plus 2 égale à Un plus 1 plus En. 1. Supposons que Un soit une suite géométrique, qui vérifie la relation R, que peut-on dire de sa raison Q? 2. Supposons que Vn et Wn, soient deux suites qui vérifient la relation R, on fixe deux constantes réelles arbitraires. A et B montrer que la suite Zn définie par, pour tout n appartenant à n, on a Zn égale à A fois Vn plus B fois Wn, vérifie elle aussi la relation R. Partie 3 La suite de Fibonacci. 1. Montrer que phi au carré est égal à phi plus 1, et psi au carré est égal à psi plus 1. Montrer que l'on a aussi phi plus psi égal à 1, et phi moins psi égal à racine de 5. 2. On suppose que un est une suite qui vérifie un égale à phi puissance n plus b psi puissance n, et que u0 égale à 1 et u1 égale à 1. Que peut-on en déduire pour les constantes a et b? 3. Montrer que pour tout entier n on a fn égale à 1 sur racine de 5 fois, phi puissance n plus 1 moins psi puissance n plus 1. 4. À l'aide du tableur, déterminer a25. Avant d'aborder la relation entre Fn plus 2, Fn plus 1 et Fn, nous allons voir les premiers termes de la suite proposés. Donc l'énoncé nous propose d'étudier la suite suivante. Donc on a un couple qui n'est pas productif au premier mois, qui le devient au deuxième mois. Et ensuite, le couple productif donne un autre couple qui n'est pas productif, et on me demande donc de calculer le nombre de couples qu'il y a au mois n. Pour que ce soit plus schématique, nous allons désigner par 0 un couple non productif, et par 1 un couple productif. Donc, pour le premier mois, donc, le 0e mois, au temps T0, nous avons un couple non productif qui devient au premier mois un couple productif. Il donne un couple non productif au deuxième mois. Troisième mois, le couple productif donne un couple non productif et le couple non productif devient un couple productif. Quatrième mois, on a donc ici un couple non productif. Donc 1, 0, 1, 1, 0. Cinquième mois, tous les 1 donnent des 0 et tous les 0 se transforment en 1. Donc ça fait 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Etc, etc. Donc sixième mois. Par exemple, donc là on va calculer F6,
1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Alors, donc F0, F0 égale à 1, F2, 1 égale à 1, 1, 1, F2, 2 égale à 2, F2, 3, 1, 2, 3, F2, 3 égale à 3, F2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, F2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et F2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, quand je vous dis que 8 est un terme de la suite de Fibonacci, c'est le cinquième terme, ou le sixième terme, donc si on compte F0, le sixième terme de la suite de Fibonacci. Alors, quelle relation peut-on trouver qui relie Fn plus 2, Fn plus 1 et Fm? Regardons. Donc, si on entoure les deux premiers termes, donc 1 et 1, on trouve au troisième terme 2. Donc, en fait, F de 2 égale à F de 1 plus F de 0. F de 3, ça va être F de 2 plus F de 1. Donc, 2 plus 1 égale à 3, etc., etc. Si bien que la relation qui relie Fn plus 2, Fn plus 1 et Fn, c'est Fn plus 2 égale à Fn plus 1 plus Fn. Donc sur un tableur, nous avons donc mis dans une colonne donc n, la valeur de n. Donc la valeur de n, donc de 0 à 15, pour l'instant on va aller jusqu'à 15. Et à la seconde colonne, nous avons mis les Fn. Donc, pour F0, on avait dû trouver que c'était 1, et F de 1 est égal à 1. Donc, pour F2, on donne donc C2 plus C3. On a dit que Fn plus 2 est égal à Fn plus 1 plus Fn. Donc, F de 2 est égal à F de 1 plus F de 0. On trouve bien 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On recopie. On recopie, donc on déroule le curseur pour arriver jusqu'à F15. Et on trouve donc bien F de 3 égale à 3, F de 4 égale à 5, F de 5 égale à 8, F de 6 est égal à 13, etc., etc. Donc, la relation qui relie Fn plus 2, Fn plus 1 et Fn, c'est bien Fn plus 2 égale à Fn plus 1 plus Fn. Fn plus 2 est égal à Fn plus 1 plus Fn. Donc, deuxième question, on nous donne une relation R, un plus 2 est égal à un plus 1 plus un. Et on suppose que, premièrement, que un est géométrique, et on veut savoir qu'est-ce qu'on peut dire de la raison Q. Donc on rappelle qu'une suite un est géométrique si et seulement s'il existe Q appartenant à R, donc un réel Q, tel que pour tout entier n, on est un plus 1 sur un égal à Q. Bien entendu, il faut supposer que un est différent de 0 pour tout n appartenant à R. Alors, donc un, je suis la relation R, donc un plus 2 égale à un plus 1 plus un. Comme un est différent de 0 pour tout n appartenant à n, on peut diviser cette égalité par un plus 1. Donc on aura un plus 2 sur un plus 1 égale à 1 plus un sur un plus 1. Un plus 2 sur n plus 1, bah, c'est égal à q. Q égale à 1 plus un plus 1 sur un égale à q, donc un sur un plus 1 est égal à 1 sur q. Si on multiplie par q, on obtient q carré égale à q plus 1. Q carré égale à q plus 1.
Or, c'est une équation qu'on a déjà vue dans le précédent Let's Math. Delta est égal à 5, racine de delta égale à racine de 5. On trouve donc Q1 égale à 1 moins racine de 5 sur 2, et ça, bah, c'est égal à i, et Q2, 1 plus racine de 5 sur 2 égale à. Si un est géométrique, alors la raison, c'est soit 1 moins racine de 5 sur 2 ou 1 plus racine de 5 sur 2. Deuxième question, supposons que Vn et Wn sont deux suites qui vérifient la leçon R et on fixe A et B deux réels arbitraires. Donc on définit Zn égale à AVn plus BWn et on veut montrer que cette suite vérifie la relation R. On va calculer Zn plus 2 et on montre que c'est égal à Zn plus 1 plus Zn. Donc, Zn plus 2, c'est égal à Vn plus 2 plus Wn plus 1. Comme V et W vérifient la relation R, on a AVn plus 1 plus Vn plus BWn plus 1 plus Vn. On développe AVn plus 1 plus AVn plus BWn plus BWn. On réunit donc AVn plus 1 plus BWn plus 1, donc AVn plus 1 plus BWn plus 1. Plus AVn plus BWn. Or, bien entendu, ici, nous avons Zn plus 1. Ici, nous avons Zn. Et donc, conclusion, ça, c'est égal à Zn plus 1 plus Zn. Et donc, bien la relation R. Donc la suite Zn égale à AVn plus BWn vérifie la relation R. Troisième partie, donc on note I égale à 1 plus racine de 5 sur 2 et Psi égale à 1 moins racine de 5. On va montrer quelques propriétés de Phi et de Psi. Donc, pi carré est égal à 1 plus racine de 5 sur 2 tout au carré. Donc, c'est égal à 4, 1 plus racine de 5 au carré. On développe. Donc, on développe. Ça nous donne 1 plus 2 racine de 5 plus racine de 5 au carré, donc 5 sur 4. Alors, donc ça nous donne ici, 6 plus 2 racines de 5 sur 4, ce qui nous donne donc après simplification 3 plus racine de 5 sur 2. Or, 3 plus racine de 5 sur 2, c'est 2 plus 1 plus racine de 5 sur 2, ou encore 1 plus 1 plus pi carré est égal à 1 plus. De même, pi carré est égal à 1 moins racine de 5 sur 2 et tout au carré. Donc, sur 4, 1 moins racine de 5 sur 2. Alors, 1 moins racine de 5 au carré sur 4. Ce qui nous donne 1 moins 2 racine de 5 plus 5 sur 4. Ou encore 6 moins 2 racine de 5 sur 2 sur 4. Après simplification, on trouve donc 2 plus 1 moins racine de 5 sur 2, ou encore 1 plus 6. Alors, montrer qu'on a phi plus psi est égal à 1. Donc, phi plus psi égale à 1 plus racine de 5 sur 2, plus 1 moins racine de 5 sur 2, ce qui nous donne
2 plus racine de 5 sur 2 moins racine de 5 sur 2, ça disparaît. Donc 2 sur 2 égale à 1. Et pi moins psi égale à 1 plus racine de 5 sur 2 moins 1 moins racine de 5 sur 2. Ce qui nous donne 1 demi moins 1 demi, 1 demi moins 1 demi va se simplifier. Plus racine de 5 sur 2 moins moins racine de 5 sur 2. Donc 2 racine de 5 sur 2, ce qui nous donne racine de 5. Donc pi moins psi est égal à racine de 5 et phi plus psi est égal à 1. Ce qui conclut donc la question numéro 1. Deuxième question, on suppose que un est une suite qui vérifie un égale à a phi n plus b psi n et que un0 égale à 1 et u1 égale à 1. Que peut-on déduire pour les constantes a et b? Donc, si on prend u0, ça va nous donner a plus b. Donc u0 est égal à pi puissance 0, donc ça va être 1 plus b psi puissance 0, ça va être 1. Donc u0 égale a plus b, ça va être égal à 1. Et u1, ça va être égal à a phi plus b psi égale à 1. Donc on a déjà la relation pi plus pi est égal à 1. Alors pi carré plus pi carré est égal à 1 plus pi plus 1 plus. Et ça doit être égal à 1. Donc on a bien la relation pi plus pi égale à 1. Donc, que peut-on déduire pour les constantes a et b? A égale à pi et b égale à psi. Question 3, montrer que pour tout n entier, on a fn est égal à 1 sur racine de 5, pi n plus 1 moins psi n plus 1. Donc f de 0 est égal à 1 sur racine de 5, pi moins psi. Or, pi moins psi, on avait dit que c'était racine de 5. Donc racine de 5 sur racine de 5, c'était bien égal à 1. F de 1, 1 sur racine de 5, pi au carré moins psi au carré. Or, pi au carré moins psi au carré, ça va nous donner 1 sur racine de 5, pi moins psi, pi plus psi. 1 sur racine de 5, ça on avait dit c'était racine de 5, fois 1. Racine de 5 sur racine de 5, fois 1, c'est égal à 1. Donc, f de 0 égale à 1, f de 1 égale à 1. On a bien donc l'initialisation. Donc, hérédité, on suppose à n fixé, donc fn égale à 1 sur racine de 5 phi n plus 1 moins psi n plus 1 et fn plus 1 égale à 1 sur racine de 5 psi n plus 2 moins psi n plus 2. On va montrer donc que fn plus 2 est égal à 1 sur racine de 5 phi n plus 3 moins psi n plus 3. Fn plus 2 est égal à fn plus 1 plus fn. Donc 1 sur racine de 5. Alors, on peut déjà simplifier. Enfin, on peut déjà factoriser par 1 sur racine de 5. On obtient pi n plus 2 plus pi n plus 1 moins pi n plus 1 n plus 2 moins 6. Peut factoriser par ici pi n plus 1 pi moins plus 1 plus 1 moins psi n plus 1 plus 1. Bien que donc ici pi plus 1 c'est carré. Donc, égal à 1 sur racine de 5 pi n plus 1 carré moins pi n plus 1 pi au carré. Plus 1 égale bien à pi carré. Donc, conclusion, racine de 5.
n plus 1 pi carré, donc c'est phi n plus 3 moins n plus 3. Si n plus 1 fois psi carré, c'est bien n plus 3. Et donc ça, c'est bien fn. Donc, d'après le principe de récurrence, on a bien, pour tout entier n, on a fn égale à 1 sur racine de 5, psi n plus 1 moins psi n plus 1. Bien, donc sur le tableur, nous avons rappelé donc les différentes caractéristiques de la fonction f. Donc on avait dit que fn plus 2 est égal à fn plus 1 plus fn. Et on a montré que pour tout n appartenant à n, fn est égal à 1 sur racine de 5, pi n plus 1, pi puissance n plus 1, moins psi puissance n plus 1. Ah, bon. Ça c'est phi. Et 1 moins... Donc, 1 moins racine de 5. Sur 2. Ça, c'est phi. Alors, on va dresser le tableau. Donc, n et fn. Donc, 0. On va devoir calculer f de 25. Donc, on va aller jusqu'à... Voilà. Alors, avec la formule, donc 1 sur racine de 5 fois donc sa puissance pi moins sa puissance b8. Alors non, pas b8. C'est n plus 1, donc il faut prendre plutôt B9. 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 Donc, B5 sens B9. Voilà. On peut faire une correction. Donc ici, on va faire racine de 5. Donc, B5 puissance B9 moins C5 puissance B9. On trouve à peu près 0,7. Ensuite, on va figer donc avec des dollars les valeurs B5 et B5. Voilà. B1, on trouve 1,16. On va trouver. Donc alors la formule c'est bien B5 puissance B9, donc B5 puissance B9 et moins C5 puissance B9 sur racine de 5. Alors en fait ça on trouve 0,77 et c'est dû au fait de l'approximation décimale. Ok, donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut formater. Et 0. Voilà, on obtient bien. Bien que si on abaisse maintenant la formule, on trouve donc 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 56, 80. Alors, on va essayer de comparer avec les véritables valeurs de Fn. Donc, si on prend 1 et 1, on dit que ça plus 9, dit plus 9, et on. Alors, est-ce qu'on trouve la même chose? Bien entendu, donc c'est un problème d'approximation décimale. Donc, on trouve 1, 1, 2, 3, 5, 8. Et donc, maintenant, on va déterminer f de 25. F de 25, c'était bien égal à 121 393. Monsieur Boulen, pouvez-vous montrer une méthode de calcul qui permet d'obtenir une approximation décimale du nombre d'or? En bonus, nous allons approcher le nombre d'or phi par sa fraction continue, 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1, etc. Donc, comment on va pouvoir traduire cette fraction continue en une suite? Là, très simple, donc on va considérer V0 égale à 1, et ensuite,
Vn plus 1, ça va être tout simplement égal à 1 sur 1 plus Vn, pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, on va mettre dans une première colonne les valeurs de n, donc 0 va aller jusqu'à 40. Voilà. Et ensuite, donc V0, on va dire que c'était 1. Et donc V1, c'est 1 sur 1 plus cette cellule, donc c'est 11, ce qui est égal à 0,5, etc., etc. On déroule le curseur jusqu'à n égale à 40. On trouve 0,61, 80. Si on considère 1 plus Vn, 1 plus Vn, on a donc ça. Alors ça, ça va être égal à 1 plus cette cellule-là, voilà, etc., etc. On obtient 1,61, 80, 3, 3, 9, 8, 8, ce qui est presque égal à cette valeur-là. On va tracer maintenant donc une courbe qui représente graphiquement les termes de la suite. Alors, on peut zoomer encore. L'axe. On peut aller de 1,65 à donc minimum 1,6 et 1,65. Voilà. Donc on voit qu'il y a une convergence assez rapide, à peu près quand n égale à 10, on voit que la convergence est assez rapide. Et la limite donc de la suite 1 plus Vn, c'est bien le nombre d'or. Voilà, le problème a été entièrement résolu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez être informé de la sortie des prochains Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne TV Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.